Des fois, vous postez une photo sur Instagram et après, vous remarquez que la photo ne sort pas bien avec votre feed. Aujourd'hui, je vais vous donner l'astuce pour ne plus avoir ce problème. C'est parti pour un nouvel épisode de Miss Digital. Alors l'astuce, c'est une application qui s'appelle Preview. Ça va vous permettre en fait de pouvoir poster une photo sans que vos abonnés le voient pour en fait savoir si ça sort bien sur votre feed ou pas. On ouvre l'application ensemble. Donc Preview, pour vous dire que c'est totalement gratuit si vous avez un compte, un seul compte Instagram. Donc là, c'est mon compte Instagram. Donc quand vous créez un compte en fait Preview, il va vous demander de le lier directement à votre compte Instagram. Une chose que j'ai déjà fait. Mais lorsque vous allez télécharger l'application pour la première fois, vous devez passer par cette étape. Donc là, on a l'application Preview et on va aller sur Instagram pour vous montrer que c'est la même chose. Donc on y va, je sors, je vais sur mon Insta. Et là, vous allez remarquer que c'est le même feed. Donc, ce qu'on peut faire sur Preview, c'est d'importer nos photos pour voir si ça marche avec notre feed ou pas, mais aussi programmer pour post pour gagner encore plus de temps. Donc, vous pouvez non seulement programmer des photos, mais aussi des reels, des IGTV et même des stories. C'est juste très fun. Donc, nous, on va s'intéresser plutôt au feed. Donc, je vais prendre une photo par hasard de ma galerie. Alors, on peut en fait importer plusieurs photos. Donc, on va faire la même chose. On sélectionne des photos par hasard. Et là, en fait, ce qui est bien, c'est qu'on peut agencer le feed en bougeant simplement. Comme ceci, les photos pour voir en fait comment les aménager. Alors pour l'exemple, on va prendre un reel par hasard. Donc là, l'application va le télécharger. Donc là, on sélectionne ensuite le reel et on met notre bio. Donc, on va écrire par exemple New Reel. Et là, on peut choisir directement des hashtags sur l'application. Il faut juste en fait cliquer sur les mots-clés. Et voilà, vous cliquez sur Done. Donc voilà l'astuce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Encore une fois, le feed c'est important. Donc prenez le temps de l'affiner parce que c'est la meilleure chose en fait pour gagner plein d'abonnés sur Instagram sans le moins d'effort. On se donne rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode de Miss Digital. Bye!